Mais par contre, moi, j'ai un petit zizi. Je fais comment? Wesh! Ouais, vous vous foutez de ma gueule? Aïe, aïe. Oh, Michou, franchement, c'est pas choquant, toi. Yo, les petits potes, tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous connaissez. Vous allez voir, c'est très simple. Nous sommes... Il est chiant. Mec, je suis complètement foncé, mec. Putain, mine de taille crayon là. Bon, les gars, si Inox est foncé dans cette vidéo, c'est normal, il a fumé du stylo. On est avec Apolline. Oui, petit gars. Salut, ça va? Mais j'aimerais bien qu'on appelle Apolline tout le long de la vidéo parce qu'elle aime bien qu'on l'appelle Apolline. Et nous sommes aussi les amis avec Elsa. Comment ouais, ça va? Les gars, c'est sa première vidéo YouTube. Non, elle était passée dans ton VDI. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Pour ceux qui connaissent pas, les gars, Elsa Bois, c'est ma partenaire de danse avec les stars. Hey. Inox, elle l'adore. Inox, c'est vrai, pas de danse? Elle, pas de danse, elle m'a appris en Elsa. Je te montre un pas. Elsa, elle m'a appris rien. Hey, oh, Apo, moi je vais pas le faire. Apolline. Ça. Ouais. Allez. Arrête, vaut mieux. Les gars, aujourd'hui on va faire une vidéo très simple, c'est un mini-jeu, un gage. Vous allez voir, il y a plein de mini-jeux préparés un petit peu partout. On a un arbitre, Thomas. Ouh. Applaudissez-le s'il vous plaît. Applaudissez, on vous a dit. Ouais. Allez. Ouais. Thomas, le meilleur arbitre de la vidéo, parce qu'il y en a qu'un. Eh oui, et qu'il en faut bien. Dans cette vidéo, il va nous expliquer les buts des mini-jeux. Du coup, à chaque fois, il y aura un perdant, le perdant aura un gage, tu nous diras le gage. Moi, je propose qu'on commence directement avec le premier mini-jeu. Apolline, c'est une gamine, tu sais ce qu'elle m'a dit dans l'oreille? Elle m'a dit arbitre. Arbitre. C'est lui qui m'a dit ça. Elle vient me dire ça, je suis mort. On passe au premier jeu. Le premier jeu, on attaque direct par du très lourd. On va vous enrouler dans du gaffeur chacun. Et c'est la première personne qui sort qui va choisir qui aura le premier gage. Ah, donc c'est le premier qui se dit. C'est du scotch, quoi. Ah, les gars, on ne l'a pas dit. Elsa est hyper compétitive. Change de couleur. Quoi? Mais attends, ça fait 2-3 tours. Alors franchement là, je suis scotché. Tous les coups sont permis. Hein. Tout. Ah, Jim. Ah, c'est impossible. Jim Clé, c'est de la merde. Enlève-moi le scotch. C'est un ouf, toi. Ah, prends mes clés. C'est mes clés, frère. Tiens. Ah, ça me désappelle. Et s'il vous plaît, enlevez-moi ce que je stresse. Mais les gars, elle est bien, elle. Bah c'est bon, elle a gagné, les gars. Elle a gagné. Je me suis fait épiler les bras. Mais je pense vraiment qu'il manque des poils à certains endroits. Tu regardes le scotch, il y a des poils à moi. Oh, mais regarde, mais wesh. T'es maille, c'est mon t-shirt. Non, mais je pense que Elsa, elle a été avantagée. Non, en vrai, j'arrête. Eh, ça a été la meilleure sur cette épreuve, incroyable. Franchement, je félicite Elsa. Viens, on applaudit. Viens, on applaudit. Non, parce qu'il y a un gars, déjà, ça l'a Bah y'en a qui rageant trop fort. Ouais, elle du coup trop cette épreuve, Elsa. Oh, t'as le gars. En fait j'ai capté trop tard qu'il fallait sucer. C'était ça. J'ai trop le seum. Bon bah c'est quoi le gage? Le gage de cette épreuve pour toi, parce que chacun avait un gage spécifique. Ah, chacun avait un gage différent. Voilà. Mais par épreuve, par épreuve. Ça va être d'envoyer un vocal à Andrea aka la sirène pour lui dire qu'elle te manque. Oh non, ça va, c'est cool. Vraiment. Non, mais elle m'envoie des messages en mode je lui manque vraiment. Dis-lui, tu me manques, j'ai trop hâte qu'on se revoie. I miss you, I want to see you. Mais mec, fais un truc un peu mieux. Ouais, fais un truc émotionnel. Hello Andrea, you miss you, merde. You merde. Hello Andrea, I miss you so much, I want to see you in Eiffel Tower, please come friends, I miss you so much. C'est bon là, c'est mignon. Elle m'a envoyé. Là, elle te manque vraiment? Non, mais je vais être content de la voir, mais elle me manque pas. Ouais, ok, pas de problème. Aurélie, là, la bonne technique. Est-ce que ça marche? Bah des fois. Ouais. Non mais c'est pas bad boy. T'as une meuf? C'est pas bad boy. T'as une meuf? Apolline, c'est pas bad boy. Non, vraiment, t'es pas un bad boy. Ouais, voilà. Mais il fait. Non, il veut faire. Il fait pas le bad boy. Tu veux faire bad boy? Ouais. T'as déjà fait chaud? Non. Bon, les gars, changez de technique. Non, vous êtes pas obligés de copier mes techniques, elles marchent pas forcément. Et d'ailleurs, les gars, c'était mon anniv il y a pas longtemps, j'ai 20 ans. Toujours pas de meuf, mais j'ai 20 ans. Et Andrea m'avait envoyé un message en mode bon anniversaire et tout. Mais elle est trop gentille. Ouais, mais Andrea, c'est la bosse.
comment ça elle t'envoie un message? C'est le mec qui a trop le seum. Est-ce qu'on passerait pas au deuxième jeu? On va vous donner du coup des numéros, chacun votre tour, vous allez devoir les appeler. Vous allez pas savoir à qui appartiennent ces numéros. Tenir le plus longtemps. Exactement. Celui qui tient le moins longtemps, c'est celui qui aura le gage sur cette deuxième épreuve. Qui tient le moins longtemps? Celui qui tient le plus longtemps. Le mec qui raccroche. Mais c'est pas des gens qu'on connaît. Non. C'est pas. Non. Vas-y, je commence. Non, je commence pas en fait. En fait, là j'ai une pression qui a commencé à. Trop tard. Ah, c'est trop tard, moi. C'est une grand-mère, c'est sûr. Mec, j'ai la pression, ouais. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allô? Oui, je vous entends. Ah oui, parfait, oui. Parfait, excusez-moi. Je suis bien chez... Tout à fait. Ok, très bien. Du coup, je vous appelle pour avoir un renseignement sur un de vos produits. Je vous en prie. Vous pouvez me dire déjà vos produits pour... Attendez, je sais plus c'est lequel. C'est le... Pour les hommes. Pour les hommes, alors une gaine de masturbation. Oh oui, c'est ça. D'accord. Je voulais savoir, vous vendez du lubrifiant? Oui, on vend aussi du lubrifiant. Ok, d'accord. Et du coup, sur les gaines de masturbation? Oui. Comment ça s'utilise? Bah, une gaine de masturbation, ça se met sur le pénis et on fait de la masturbation. Ça porte son nom. Ah oui, bah oui. Ok. Mais moi, j'ai un problème aussi. C'est par rapport à la taille du zizi. Ah bah ça, je veux pas vous aider là-dessus. Oui, mais en fait moi j'ai un zizi, il est vraiment très très grand. Et du coup j'ai peur que ça passe pas. Bah y a plusieurs gaines, on regardera. Ah bah si vous voulez je vous montre mon zizi hein. Passez au magasin, c'est plus simple. Bah monsieur, je vous adore et bah franchement, à tout de suite. Merci. Non, je rigole, je viens pas. Bah oui, j'avais bien compris hein. Mais par contre moi j'ai un petit zizi, je fais comment? Il a du poids. C'est horrible. Désolé au mec à qui on appelle, c'est vrai qu'on fait un peu perdre votre temps. Parce qu'à la fin il a câblé. Mais c'est pas moi qui l'ai fait perdre son temps. Moi j'ai juste dit une phrase. J'ai tenu combien de temps? 4 minutes 5 secondes. Oh, c'est bon, j'ai gagné. Un pou. Allez, à toi. Allô? Ça va être dur. Allô? Allô, oui, on m'a donné votre numéro. J'appelle qui là? Kip. Vous êtes en assurance? Salon de coiffure type. Ah, pardon. C'était pour prendre rendez-vous. Non, mais on donne pas de rendez-vous. Vous donnez pas de rendez-vous, ok, ça marche. Est-ce que je pourrais avoir une petite... une petite... comment dire? Une petite... une petite... Allô? Oui, ben je vous écoute, une petite... Vous m'entendez ou pas? Oui, je vous entends parfaitement. Allô? Oui, je vous demandais... je voulais juste avoir une petite information sur mes cheveux. J'ai l'impression que quand je les lave, quand je les savonne, ils sont tout de suite gras juste après le lavage. Ah bah parce que vous avez des cheveux gras. Là je peux pas rester trop longtemps avec vous parce que j'ai quelqu'un que je dois coiffer. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en magasin et vous allez me conseiller. Je demande qui au magasin pour me conseiller. Merci beaucoup, au revoir. Oh, c'est trop. Oh, c'est trop. Ouais, mais je restais. Putain, j'ai trop le seum. Par contre, c'est hyper mal parti. Eh, mais là, c'est chaud. C'est ouais. En fait, là, j'ai capté, quand vous nous faites appeler des restaurants ou des trucs comme ça, ils sont un peu obligés. Et bah, les gens sont obligés de répondre, de donner des informations. À toi, Elsa. Toi, tu te retournes parce que toi, tu vas me faire rire. Je vous appelle, j'aurais besoin d'une information. J'ai déjà une petite question. Quels sont... en termes de livraison, pardon, quels sont vos délais? Ça dépend. En Drôme? Dans la Drôme? Ouais. Colissimo? C'est quoi vos produits? Enfin, moi, en gros, on m'a conseillé... Excusez-moi, j'ai des amis qui font un peu n'importe quoi à côté de moi. Non, parce qu'on m'a donné votre numéro en fait et on m'a dit de vous appeler parce que j'ai un problème chez moi par rapport au stockage. Et je voulais savoir ce que vous aviez à me conseiller pour ça. Vous savez qui vous appelez là, en fait? On m'a donné votre contact parce qu'en gros je cherche des meubles de rangement en fait. Et du coup j'ai votre contact par quelqu'un de ma famille. Bah il s'est trompé de numéro là, parce que là en fait c'est dans une boutique de vêtements. Ah d'accord, ah oui non. Désolée, en effet j'ai pas eu l'info. Et en vêtements, c'est quoi comme vêtements? C'est des vêtements de seconde main. Ah d'accord, ah bah c'est super intéressant ça. Alors écoutez, la blague elle va pas durer très longtemps. Dites-moi, est-ce qu'on se fout de votre gueule? On s'est foutu de votre gueule? Vous voulez vous foutre de ma gueule? Ah non, pas du tout. Écoutez, j'ai pas de temps à perdre, donc soyons sérieux. On m'a demandé, en gros, on m'a donné votre contact. On m'a donné votre contact parce que... Putain. Oh la, regarde, elle a fui.
Eh, c'est un règlement de compte. Oh, j'aurais pas aimé. Elle nous parlait en rigolant. Elle fait allô. Ouais, il y a des amis. Elle a fait combien de temps? Elle a fait combien? Eh, quand même, hein. Oh la vache, mais j'ai pas compris. Bonjour, vous avez dit quoi, monsieur? Ah, vous allez bien? Oui. Moi, je suis un jeune étudiant qui fait des recherches et des statistiques. Et je voulais vous demander si vous avez un petit moment, mais une ou deux minutes, mais pas plus. Oui, vas-y, rapidement. Ok, vous avez quel âge? C'est pour savoir dans les McDonald's l'âge du personnel, etc. En moyenne 20 ans. Vous êtes en bas et vous pouvez monter jusqu'à arriver patron, etc. Oui. Pourquoi vous rigolez, monsieur? Elles sont nulles, mes questions. Elles sont pas très bien, tes questions. Hey, je suis un élève éclaté. Il faut vraiment que je le fasse pour rendre mon devoir. Donc, s'il te plaît, frérot, réponds aux questions. Il y a une fille à côté. Attends, mais vous êtes plusieurs, en fait, au téléphone, là. Vous vous foutez de ma gueule? T'as quel âge, 20 ans? 25. 25? Putain, j'ai 24, mais c'est parfait. T'as Snap? C'est pour poser des questions, c'est pour un autre devoir. Tu l'as? Allez, s'il te plaît, c'est pour mon devoir. Je te philosophie tout ça, la vie. Eh, viens, viens avec moi. Ah ouais? Bah attends, je vais prendre son Snap, je vais l'ajouter. T'as craqué? J'ai craqué. Y'a pas de Snap là. Bah non, y'a pas de Snap. Putain, je suis déçu, mais c'est pas grave, vous êtes super sympa. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions. Ça m'avance pas pour mon travail, je suis dans la merde de fou. Mais mais bon courage pour votre journée de taf. Et je passerai, hein. Vas-y, tchuss. Et t'inquiète, je passerai, je prendrai ton Snap. Vas-y, tchuss. Allez, bye. Restez comme vous êtes, comme un McDo. Il était à ça de prendre un Snap. Sa voix, elle avait l'air bien. Hein? Et bah, 3 minutes 43. Je sais pas, c'est mais celui qui a fait le moins. Elsa le gars. Elsa le gars. Joui. Elsa, ton gage, ça va être d'envoyer en DM sur Instagram à Kinvé une déclaration d'amour envers tout ce qu'il a produit et tout ce qu'il a fait. Pourquoi il y a un truc spécial avec Kinvé? Ouais, pourquoi Kinvé? Je sais pas pourquoi. Ah, c'est avec Kinvé. Dis vraiment, j'aimerais bien m'appeler Mademoiselle Valérie pour danser à Tahiti avec toi. Ah, c'est juste ça? Ouais. Oh, bah si je fais juste ça, c'est facile. Tu m'as l'air très gentil, homme à marier, attends. Donc... Mais tu le kiffes, non? Hein? Comment il s'appelle, Kevin? Ouais. On va l'appeler quand quelqu'un, quand une meuf t'appelle par ton prénom, mais qu'elle dit toutes les lettres, c'est qu'il y a un truc. Ouais. Alors ça, je l'ai analysé aussi. Quand elle te donne un surnom, machin, mais quand elle t'appelle par ton prénom, c'est soit qu'elle veut te dire un truc important, soit il y a un truc. C'est vrai ou pas? Absolument pas. Ah, ok, d'accord. Quand je l'appelle Miguel, il sait que ça va pas. Non, mais là, non, mais là je m'assois vraiment. Elle a rigolé, on dirait que c'était connecté le machin. Salut Kevin. Alors je te fais un petit vocal parce que je tiens à te dire que je. Non mais tu sais que là, moi je reçois un vocal qui commence comme ça, moi je vais direct vous la voir. Le début il était trop. Ah non mais là j'ai eu des sensations là. Allez, personne regarde. On se tait. Salut Kevin. Attends, c'est bon, on va rester bloqué à salut Kevin. C'est une catastrophe. Salut Kevin. Alors je te fais un petit vocal pour te dire que j'adore ce que tu fais. Je trouve que t'es un mec génial et en plus t'es magnifique. Et je tiens à te dire que j'aurais aimé m'appeler Mademoiselle Valérie pour aller danser avec toi à Tahiti. Allez, des bisous. Oh ah, bravo. Mais quel enfer. Moi demain je reçois un vocal comme ça. Toutes les meufs vont lui envoyer ça. Salut Inès, je trouve que t'es un mec parfait. À partir de maintenant, vous allez former des duos, Michou, Elsa, Apo et Inès. Alors pour cette première épreuve, préparez-vous, vous êtes prêts à décoller là? Il va falloir partir dans les bureaux et trouver une personne qui s'appelle Antoine. Papa, le meilleur duo, on y va. Antoine, il est où Antoine? Vous avez vu Antoine ou pas? Il n'y a pas d'Antoine au premier étage. Ça va tout le monde? Qui s'appelle Antoine? Il n'y a pas d'Antoine? Antoine Francesco. Ouh. Ah si. Va. Ah mais j'ai pas le badge. J'ai. Vous allez à gauche, première à gauche et ensuite à droite. Merci! Il y a Anthony? Non, il faut un Antoine, il n'y a pas d'Antoine. Antoine? Tu t'avais Antoine? T'as vu? Il y a un Antoine. Ah, il est pas là? Il est pas là. Qu'est-ce que vous foutez là? Si, on l'a cherché. Ah, il est malade! Bon, Antoine, bon rétablissement en tout cas. Est-ce que vous connaissez un Antoine? Ah, ouais. Qui est là aujourd'hui? Qui est là ici? Au 5? On va au 5. Antoine! Non. Eh merde! Tu t'appelles Antoine? Ah, tu t'appelles pas Antoine? Qui fait genre. Il s'appelle Antoine. S'il s'appelle Antoine, il veut pas dire. Faut juste que tu lui dises je m'appelle Antoine. Marion, s'il vous plaît, on a besoin d'un Antoine. S'il vous plaît, on a besoin d'un Antoine. Alors Marion, il s'appelle Antoine. Ou quoi? Oui, il s'appelle Antoine. C'est bon, on a gagné. Antoine. Y a pas d'Antoine.
Antoine. Antoine Ducrot. C'est moi, c'est toi ? Bien sûr, c'est moi. Mais jure, c'est toi ? Bien sûr, c'est moi. On a besoin de toi, faut que tu viennes avec nous et tu nous fais gagner une vidéo. Par contre, t'es un peu trop détendu là. Faut qu'on se dépêche. Non, tu vas nous faire gagner. C'est bon là, tu vas Antoine. Ouais, là, mais. Il voulait pas être filmé, je crois. Je pense, parce qu'il voulait pas dire qu'il s'appelait Antoine, mais tout le monde disait qu'il s'appelait Antoine. On a Antoine ! Ils sont déjà là, non ? Me dis pas qu'il. Oh putain ! Non ! Ils ont trouvé Antoine, vous avez ramené. Ils l'ont Antoine, pas ramené. Avez... Ah, fallait le ramener. Bah ouais, fallait le ramener. Non. On est d'accord, on a gagné. Les gars, Antoine, il est venu. Y a pas de rush, y'a rien. Vous faites tous les deux le gage. Ok, d'accord. Mais tu tout le monde a le gage. Du coup, sur cette épreuve, il y a eu un match nul. Ouais. Donc chacun, vous allez devoir exécuter votre gage. Donc d'abord, pour Michou et Elsa, Inox et Apo vont devoir choisir un mot qu'ils devront placer pour un prochain Prime Dash. Oh putain. Oh non, mais les gars, c'est un prime TF1, oh non. Travis Scott. Mais à quel moment je dis j'adore Travis Scott déjà? Juste déjà, Travis Scott, c'est dur à placer. D'ailleurs, j'adore Travis Scott. Je dis, ah ouais, mais moi, j'aurais préféré danser sur Travis Scott aussi. Voilà, tu vois, c'est facile en vrai. Bah les gars, un extrait maintenant du prime où je dis Travis Scott. Là, avant le prime, j'ai mis du Travis Scott dans mes oreilles. Je suis pour des Travis Scott. Aurélie va commencer. Et pour vous, du coup, il va falloir que sur TikTok, vous fassiez une choré par Danse avec les Stars. Génial, j'adore. Mais j'ai pas le temps. Donc une vraie choré en mode cadre. Ah ouais, j'adore. C'est vous qui choisissez la danse. Un foxtrot. Moi, je suis mal à l'aise un peu de... Ton pied contact. T'es mal à l'aise. Ton carré vite. Regard amoureux pendant cette danse. On garde la danse. Eh, faut que vous vous regardiez en mode vous êtes amoureux. Oui, oui. Et le contact, là, faut que ça se touche, là. Attends, je vais... C'est là, regard amoureux. Mais trois. Attends, je vous fais... Je me suis retourné sur le vous êtes prêts? 1, 2, 3. I'm walking on moonbeams, I'm walking on moonbeams. Ça, j'ai envie de voir. C'est une catastrophe. The world am I, I'm not coming down forever. Salut Elsa. Salut, rentre bien. Ça c'est ouf. Salut. Bon les amis, du coup Apo nous a quitté malheureusement parce qu'elle avait un train à prendre. Dans tous les cas, il n'y a plus d'épreuves duo. Donc Elsa, les duos, c'est fini. Il reste des petits mini-jeux. Donc voilà, on est bien. Allez les prochains gages. Inox, tu vas prendre cher. Pour le prochain jeu, il va falloir que vous jouiez avec des rouleaux de PQ. Il y a deux épreuves avec des rouleaux de PQ. La première, il va falloir que vous preniez une feuille et dans le petit cadre qui est juste là, vous allez devoir souffler et le faire rester le plus longtemps dans la zone rouge. Je commence pas pour ça. Je commence pas. Allez, ça. Allez, hop. Eh hey, le truc il a dit 3 secondes. 3 secondes. Oh, et je fais plus d'aide. Eh hey, le truc il a dit je me barre. À moi ? À toi. Oh yes! Oh, oh, je pensais pas que t'avais tenu plus longtemps. Oh, attends, parce que là je suis essoufflé. Vas-y, vas-y. Faut pas rigoler. Tu peux plus te mettre. Perdu. Okay. Ouais, je crois! Ah, ah, non, mais non! Mais pourquoi il s'est levé? Toi, tu vas avoir ta crotte. Perdu! T'as perdu, les... Mais ça compte pas? Zou. Allez, gage! Oh, j'ai dit. Tu souffles mal! En plus, je me moquais d'Elsa. Aïe, aïe, arrête! Ah non, ça c'est ta vidéo. Ah, coup, ça perd un peu de son sens vu qu'il n'y a plus à peau, mais le gage c'était celui qui reste du coup le moins longtemps devra changer de vêtements avec la fille de son choix. Oh, tu t'habilles. Je vais m'habiller en Elsa là. Elle ah mais du coup elle s'habille en moi. Bah oui, c'est bâtard. Oh, t'as trop aussi bah, un gage. Non, quand vrai il peut faire meuf. Bah ouais. Quand ça passe. Donc allez, allez vous changer, on vous attend. Bah ça te donne la gueule de le voir habillé en femme. Oh, j'avais une réussite. C'est dur ta teub. Oh Michou, franchement. Oh, oh ça c'est hoche. Alors Elsa a plus de flow qu'avant. Ah ouais. Ah, ah vous avez gardé des chaussures. Mais gros, c'est un... Bah oui. Mais oui parce que frère je fais du 41, je fais du 37. C'est pas chaud. T'es un artiste peintre. C'est pas choquant en soi. Ah elle a plus de flow que moi avec ma tenue. Genre moi quand j'avais ma tenue j'avais pas autant de flow. La prochaine épreuve, toujours avec des rouleaux de PQ. Ok. C'est juste ici, sur la table. Vous allez avoir des balles de ping-pong. Ça, je reconnais, ça c'est un beer pong, hein. C'est un PQ-pong, quoi. Un PQ-pong. C'est le dernier qui marque qui prend le gage. Voilà. Oh, elle a réussi. En fait, on va un rebond oui, et bon, que allez, ça. Parle pas, et en gros, faut pas la lancer d'un coup. Faut okay, tu le mets pas, je te mets une gifle. Vas-y. Vas-y, tu le mets pas, je te mets une gifle. C'est Squid Game. Non, rien. Tu me l'allumes pas, tu me l'allumes pas. Oh. Ah bah c'est le jeu. C'est une vraie. Ah bah c'est Squid Game, hein, moi je suis encore dans le film. Ok, hein. Tu me mets pas, je te mets une jeep. Bah non, parce que moi j'ai pas fait bah si. Ok. Non. Ah vas-y à toi.
T'es gentil. Ouais. Oh non, elle est pas dedans. Oh, 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 t'es mort. Là, tu la loupe, mère, je la mets. Là, tu la loupes, t'es mort. Mais gros, t'es mort dans le film. Oh. Ah, en plus, j'ai loupé, mais c'est une... T'es un chien, tête de hunter. Vas-y, on arrête de mettre des clés. On met des petits. Non, non. Oh, 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 tu la mets, ouais, si tu la mets... Non, mais frère, pas à ce moment-là. Gage! Tu prends le gage! Alors là, t'as 10 secondes pour prendre une photo qui sera publiée sur Insta et que les deux autres participants auront le droit de retoucher. À partir de maintenant. 1, 2. Mais faut que je fasse quoi? Faut que tu fasses une photo. 5, 9, 10. En plus, regarde sa tête sur la photo, il est en panique, frère. Mais en plus, si je peux décadrer. Mais ça, oh, ça c'est tellement. C'est magnifique. Oh les chiens. Attends, je mets en orange. Oh, ils sont en train de détruire mon Insta. Je prends soin de mon Insta, regarde ce qu'ils font. Oh là là là. En vrai, ça passe crème, hein. Dernier jeu. Alors pour cette dernière épreuve, vous allez devoir toujours avec des balles de ping-pong éteindre la flamme qui sera allumée au bout de cette chandelle. Chacun à votre tour va lancer une balle et le dernier qui l'éteint prend le gage de cette dernière manche. Du coup, placez-vous derrière le gaffeur, la ligne qui est là. Le pire shoot que j'ai. Vas-y, à moi. Non, c'est Inox. Donc le premier, il choisit qui a gage. Oh, Inox, comment tu vas te le manger? Dans les couilles. Ah. Oh. 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 Oh, elle était pas loin. Vrai? C'est stylé. Vu que là vous êtes un peu en l'air gars, je pense que Elsa, tu peux choisir qui va prendre le gage. Moi, elle m'a déjà donné. Oh yes. Oh yes. Elle m'adore, donc c'est Inox qui prend le gage. Non, non, c'est toi. Il m'a jamais compris. Vous allez devoir trouver un costume que tu mettras du coup dans le tournage de ta prochaine vidéo qui sera sur ta chaîne. Tu devras le porter tout le long de la vidéo. Vous avez des idées un peu? Tu vois les costumes tout verts? Tu mets les costumes tout verts et tu mets un slip par-dessus. Avec les collants, là. Attends, mais faut que je me mette au sport là. Mais mec, la vidéo elle va être démonétisée. Mais non, tu mets un caleçon par-dessus. Non mais attends, on parle du même costume, le truc comme ça, la vert. Mais tu mets. Non, pas le truc vert. C'est le truc en entier. Le truc en entier, le collant. Les bonhommes comme les Power Rangers. Ah. Déjà, ça me rassure. Mais moi, je reste au stream comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, faut que je me mette. J'aurais pas osé. Alors, les gars, ça sera pas la prochaine vidéo qui va sortir sur ma chaîne. Parce que celle-là, elle est déjà tournée. Je suis pas encore sûr, de toute façon, on verra. Mais je crois que c'est un micro-trottoir. C'est chaud. Mais pour un micro-trottoir, c'est parfait. Mais les gens, ils vont pas répondre à mes questions, frère. Mais je crois que les gars, ça sera pas ce dimanche, mais dimanche d'après. De toute façon, vous verrez. Abonnez-vous, suivez les prochaines vidéos et vous saurez. Avec la cloche, et on met le pouce bleu. Et c'est beau, c'est parti, c'est la fin de cette vidéo. Putain, n'empêche, la vidéo était longue quand même. On a perdu à peau en cours de route et tout. Ouais, hein. Bref, les gars, du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes les beaux, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci à Apo qui n'est plus. Elle a eu son train ou pas? Est-ce qu'on a des nouvelles d'Apo? Du coup, merci à Apo. Merci Inox, comme d'hab. On est là. Bouge pas, le boss. Merci Elsa pour. Ta la première présence. Vidéo YouTube. C'est vrai. Avec Bibi. Ça fait quand même plaisir. Des gros bisous. On se dit à bientôt. Une prochaine vidéo, un prochain live. Habillé en Power Ranger vert avec un slip rose. Vous êtes les boss. Tchuss. Ciao.